Bonjour à tous, bienvenue pour ce live Dev Café, Frog, App Clinic. Bon appétit si vous êtes en train de manger. Je suis Robin Caroff, je vais animer ce live. Alors je ne suis pas tout seul, loin de là. Il y a Edouard Marquez qui est bien présent. Il est, vous ne le voyez pas à l'écran, mais il est aux manettes de cette émission. Et alors déjà, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien hein, dans les commentaires, qu'on puisse faire les réglages si besoin. Je vais présenter un petit peu les différents acteurs de ce live. Donc, premier acteur, il y a le Frog. Le Frog, qu'est-ce que c'est? Frog, c'est un meet-up, c'est le Francophonie Android User Group. C'est un meet-up 100% virtuel. En fait, il est animé par les différents acteurs des communautés Android francophones, donc des différents GDG Android. On fait des événements en live, je vous affiche là justement, donc on a une chaîne Twitch, on a un CFP si vous voulez nous proposer des sujets, parce qu'on ne fait pas forcément des formats que comme l'App Clinic, on fait aussi des formats un peu conférences, mais toujours en live. Voilà, n'hésitez pas à nous proposer des sujets, suivez notre actualité. Deuxième acteur, Dev Café, l'émission que maintenant vous connaissez bien, hein, l'émission quotidienne référence d'actualité en ce qui concerne le développement mobile, mais pas que une émission quotidienne, il y a également des lives, des tutos et des événements comme cette App Clinic. Alors, juste avant de commencer, je vais faire un tout petit point sur une charte de bonne conduite, alors que je vais vous lire. Le Frog et Dev Café sont fiers d'être des communautés ouvertes et engagées, respectant les différences et la diversité. Ceci implique qu'aucun comportement ou propos déplacés n'est accepté lors de nos événements. Voici un rappel de ce que nous n'accepterons pas, les blagues ou offenses à propos de la sexualité, la race, religion, nationalité, morphologie, âge. Voilà, je vous encourage à bien vous conduire, mais je n'ai pas trop de doute là-dessus. On a des modérateurs qui sont vigilants, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Hein, vous avez deux façons de nous suivre, sur la chaîne YouTube de Dev Café ou sur le Twitch du Frog. Et voilà, comme c'est une App Clinic, justement, on va être encore plus vigilant à ça. Le mot d'ordre, c'est la bienveillance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'App Clinic ? L'App Clinic, le concept, c'est qu'en fait, on a une série de candidats qui proposent des applications qui sont commentées en live par des experts, par des professionnels bienveillants qui vont tester l'application et qui sont reconnus pour leurs compétences, que ce soit en UI, UX, que ce soit en développement ou que ce soit même PO, PM. On va les appeler les App Doctors. Alors, comment ça va se passer tout ça? Aujourd'hui, on va présenter deux applications. À chaque fois, on va demander aux développeurs de venir rapidement nous présenter pendant une petite minute, de nous présenter son application. Ensuite, les App Doctors vont prendre la main sur l'application, vont tester l'application, vont faire un petit peu leur retour. Et au bout d'une dizaine de minutes, on fait revenir le développeur pour un échange avec les App Doctors pour tester d'autres fonctionnalités en particulier ou pour éclaircir certains points qui auraient été peut-être un petit peu compliqués. Et au bout de 15 minutes de discussion, on passe à la deuxième application. Donc en fait, on fait à peu près une demi-heure par application. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi 4 App Doctors pour passer en revue les applications. Et donc ils vont arriver, ils vont se présenter. Le premier à nous rejoindre, c'est Quentin. Salut Quentin, est-ce que tu m'entends bien? Oui, bonjour. Très bien. Alors je te laisse te présenter si tu veux. Ça marche, bah, moi je suis Quentin Metzler, je suis lead dev Android chez Unabi Studio. Donc c'est un studio de développement où on fait des apps et pour nous et pour des clients. Et on fait surtout des apps, que des apps natives. Voilà, par exemple, on a fait aussi un peu tous anti-Covid, on a participé. Ou des apps plus utilitaires, mais pas trop d'apps de gaming, quoi. Super. On va accueillir également Charlotte. Charlotte, est-ce que tu es là ? Yes. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Charlotte Mougenot et du coup, je suis développeuse Android depuis 3 ans chez Decathlon, du coup, sur des apps Android natives sur le commerce. Donc, c'est des apps qui sont utilisées par les collaborateurs en magasin. D'accord, ok, super. Alors, on va rester dans la même entreprise. On va faire venir Gérard. Bonjour, donc moi c'est Gérard Paligo, je suis du coup staff engineer à Decathlon sur toutes les technologies mobiles. Je travaille notamment du coup avec Charlotte puisqu'elle est dans mon périmètre à moi aussi, donc le commerce. Et je suis aussi Google Developer Expert pardon, sur Android. Et enfin, pour compléter le panel, on va avoir Julien qui va nous rejoindre. Julien. Ouais. Yes. Yeah. Salut tout le monde. Donc Julien, c'est lead Android Engineer chez Aircall à Paris, où on fait une application de téléphone basée sur le cloud pour les entreprises. Et comme Gérard, je suis Google Developer Expert sur Android. Voilà, donc vous voyez que je suis particulièrement bien entouré pour cette App Clinic. 4 reviewers et on va avoir 2 applications. Et sans plus attendre, on va se lancer sur la première application qu'on va tester. La première application qui est Be Done. Alors, on va faire venir Youssef qui est le développeur de l'application. Youssef, est-ce que tu peux rapidement te présenter et en une petite minute nous présenter également ton application? Salut, alors moi je m'appelle Youssef El-Kamel, je fais des applications cross-platform depuis 2016 et je suis aussi CTO d'une startup avec une application de méditation et développement personnel. Et ça fait quelques années où j'ai ressenti le besoin d'améliorer ma productivité, j'étais trop dissipé, pas assez motivé pour aussi faire des choses qui comptaient vraiment pour moi, la lecture, méditer ou d'autres choses. Et je me suis beaucoup renseigné, j'ai téléchargé une dizaine d'applications, j'en ai utilisé certaines pendant des mois, d'autres ils n'en ont pas tenu une semaine, enfin ça dépend. Et tout ça m'a beaucoup inspiré, mais j'ai vu que le problème en fait c'était que la productivité, il y avait des techniques, des astuces, des choses qui s'enseignaient. Et du coup j'ai appris ça à travers différentes formations. Et après malgré tout ça, j'arrivais pas à trouver un système qui me motivait, qui me tenait en haleine tout au long de ma vie, quoi. Et du coup, j'ai décidé de… Et j'ai aussi remarqué que pour les jeux vidéo, par contre, j'étais assez motivé et je gardais la motivation. Du coup, j'ai décidé d'allier gamification, les principes de gamification et les principes et les techniques de productivité que j'ai appris à travers les formations et les différentes applis. Et c'est de là qu'est né Be Done il y a 6 mois en side project, en totale indépendance. Et aujourd'hui, franchement, l'appli, ma femme, moi et quelques amis me disent que vraiment, moi, je le ressens personnellement, ça m'aide tous les jours vraiment à faire ce que j'ai besoin. Et en gros, ça se situe en 4 fonctionnalités principales. Une gestion de tâches de to-do assistée par IA. Un système de création et d'organisation d'habitude souple, mais je vous laisserai découvrir ça. Et aussi un système de routine et une technique que j'ai développée à la fin qui permet de faire des deep work, c'est-à-dire de concentrer sa concentration sur une certaine tâche. Et tout ça avec les principes de gamification qui est une progression que l'utilisateur ressent. Et aussi un aspect communautaire qui n'est pas encore très développé. J'ai encore plein d'idées pour l'appli. Ok, justement, alors cette appli, elle est à l'état aujourd'hui, c'est une bêta, elle est en prod. Alors on la trouve sur le Play Store. Est-ce que… Ah non, non. Est-ce que c'est… Elle est en production, elle est dispo sur Android, iOS et en web app. Et elle fait totalement le taf. Et c'est juste que je pense que je peux encore améliorer le côté gamification. Et voilà quoi. J'ai besoin aussi, pourquoi j'ai présenté cette appli à App Clinic, c'est que j'ai besoin de retour utilisateur pour pouvoir prioriser mes tâches. J'ai un Notion avec plein de trucs, plein de possibilités et j'aimerais pouvoir avoir un indicateur sur ce qui est le plus nécessaire à faire. Et justement, c'est exactement le but de l'App Clinic. Alors sans plus attendre, on va se retrouver dans une dizaine de minutes. Du coup, Youssef, sans plus attendre, on va prendre la main, Quentin. Alors c'est Quentin qui va prendre la main sur l'application. Ce que je vous propose également dans le chat, si vous avez des remarques, des retours, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Les App Doctors ont les yeux dessus. Moi également, je peux relayer, même si vous avez des questions, on peut relayer ça ou en discuter dans le second temps quand Youssef reviendra. Allez, je m'éclipse. Quentin, je te laisse prendre la main et allez-y, c'est parti. Ok, et je pense qu'on va partir par le onboarding. Donc, je peux commencer un peu à parler de ça. Du coup, je trouvais ça plutôt pas mal. Les illustrations, elles sont super chouettes. Le texte qui défile, je trouve ça bien aussi. Souvent, les gens ils lisent pas trop les textes quand ils sont trop longs, mais si ça défile, en fait, ça attire un peu l'œil et du coup, tu as un peu plus envie de le lire, un peu comme si tu recevais des chats, des messages sur un chat et tout. Ça, c'est une bonne idée. Par contre, le truc un peu négatif que j'aurais, moi, c'est que ça passe un peu vite, quoi. Du coup, tu n'as pas trop le temps de lire et ça va direct au slide suivant. Moi, je m'étais demandé un truc. Je me suis demandé si les images étaient générées par IA. Et du coup, vu que la présentation de Youssef, il parle d'IA, je me demande si du coup, c'est effectivement pas ça. On pourra lui demander après avec si genre, ça a été généré par Midjourney. Mais je trouve qu'elle a un peu la patte de Midjourney dans le style. Apparemment, c'est bien ça. Ouais, on a le chat du stream, c'est bien ça. Ok, d'accord. Du coup, j'ai bien vu. Ça, c'est propre. Et sinon, je te rejoins sur la partie un peu rapide. Comme le texte, il passe sans attendre, ben, en fait, si tu ne suis pas bien le type du texte, ben, tu as perdu le fil, quoi. Si tu l'installes et tu la lances sans trop regarder ton téléphone, ça part. Mais justement, moi, je trouve ça bien parce que je pense que sinon, je ne lirais pas que là, je suis obligée de suivre le texte qui défile. Genre, c'est pas à moitié. Que si ça défilait un peu, je pense que ça attirerait vite fait mon attention au début. Mais là, du coup, ça allait, disons, suffisamment vite pour que je reste captivée par le truc et que je le lise au fur et à mesure. Enfin, voilà, du coup, je pense que ça dépend des gens. Un peu plus galère. Julien, tu as quelque chose sur ouais, j'ai peut-être un poil plus posé en termes de vitesse. Peut-être ça peut être agréable pour un peu plus de monde. Après, je réfléchissais sur est-ce que mettre genre vraiment de l'animation comme si ça swipait vraiment de l'image de droite vers gauche ou de gauche vers droite. Tu vois, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, tu peux pas swiper gauche à droite. Ouais. Ok. C'est que en cliquant sur les images que tu peux. Ok, donc je sais pas si le swipe peut être intéressant ici. Ouais, ça pourrait être intéressant d'avoir tout le pager là qui soit swipeable, quoi, au lieu d'avoir juste l'image qui est cliquable pour aller à la suite. En plus, on va le voir après, mais il y a plein d'animations dans l'application, donc je pense que c'est pas un problème de rajouter des animations à cette étape-là. Et ouais, et du coup, je n'arrive pas trop à arrêter le truc, quoi. Il passe tout le temps au suivant. Je peux pas le bloquer. Ça, c'est le petit truc. On continue sur le onboarding. Du coup, pendant que tu tapes, moi, je me suis posé une question. Parce que là, on est très loin des principes de material design, tout ça, dans le design de l'application. On va le voir aussi après dans l'application en elle-même. Donc, très clairement, je me suis directement dit, OK, ça, c'est une application cross-platform. Je me suis demandé, cross-platform dans le sens soit du React Native, soit du Flutter, à mon avis. Je me suis demandé, du coup, quel pouvait être le framework utilisé. C'est du Flutter, OK, il vient de nous le dire. Donc, c'est du Flutter, OK. Et en fait, je me suis demandé pourquoi le choix est-ce que c'était par propre identité de l'application ou est-ce qu'il y avait un autre choix que d'utiliser le matériel côté Android et le design iOS côté iOS, quoi. Donc là, on est en train de tester sur un téléphone Android, mais je pense que comme l'app est aussi dispo en web app et iOS, je pense qu'il a voulu faire une cross-plateforme. Après, effectivement, au moment où tu as des libs un peu matériel pour ça aussi. C'est vrai qu'il n'a pas utilisé. Si on continue sur l'onboarding, j'ai bien aimé la progress bar. Non, j'avais pas vu. Indique bien où est-ce qu'on en est, quoi. Et le fait d'avoir vraiment un élément par élément, comme il est assez court, quoi, c'est bien d'avoir une page pour chaque entrée, ça permet d'être focus sur exactement ce qui est dans. C'est peut-être un mini détail, mais j'aurais pas arrondi sur la progress bar au bout. Genre, je l'aurais fait plate de bout en bout. Ça fait comme si on avait quelques petits pixels en haut qui. Ah ouais, t'as l'œil. Genre, blanc de chaque côté. Mais c'est genre, c'est mécanique. Mais pareil, en détail, le fait que le texte, il prenne cette taille-là et que la barre en dessous du texte input, elle soit plus grande. Oui. Enfin, ça me perturbe qu'il y ait autant de marge de ce côté, mais c'est vraiment visuel, quoi. C'est pas. Ouais, yes. Oui. Bonjour. Ouais, l'écran me paraît un peu vide, un peu blanc. Mais... peut-être un peu arranger ça différemment pour avoir l'image peut-être en plus grand, vu que c'est des illustrations un peu jolies. Et le texte un peu après. Pourquoi pas. Pourquoi on a deux... je ne t'ai pas fait la réflexion, mais pourquoi on a deux onboarding du coup là? En fait, tu avais le onboarding, je pense, du début qui était pour créer ton compte un peu. Et c'est vrai que là, on sort d'un onboarding pour faire sa première page. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de ne pas le faire directement dans le premier. Ouais, ouais, je pense qu'il pourrait fusionner les deux. Peut-être après la création de compte, alors du coup, une fois qu'on est prêt à contribuer dans l'application. Parce que... c'est bien de tenir les gens par la main quand tu arrives dans une nouvelle application. Par contre, si tu as beaucoup d'étapes à faire, ça peut aussi en perdre d'autres pour la prise en main, je pense. Après, là, ce qui est un peu bizarre aussi, c'est le text field qui était un peu caché avant. Si on fait pas trop attention, on se demande un peu qu'est-ce qu'on doit faire, quoi. Ouais, c'est clair. Il faut savoir que ce qui est en dessous là, c'est cliquable, très clairement. Ouais, c'est ça, faut le deviner, quoi. Après, c'est bien qu'il y ait des exemples de ce qu'on pourrait mettre, quoi, mais donc, ça ressemble plus à un text field cliquable, ce serait un peu mieux. Mm-hmm. Là, il n'y a pas de bouton valider non plus. Donc... ah ouais. Faut le savoir. On compte analyse par intelligence artificielle de la tâche. Pourquoi il va détecter du coup ah ouais, d'accord, il détecte la catégorie. C'est ça, il détecte un peu le mot, la tâche que tu veux faire, et il va générer une icône, l'illustration du coureur. Ah, c'était ça les icônes. Assez... par contre, là, je pense que la top bar un peu en transparence, ça peut être assez perturbant. Alors, l'écran d'avant, il y avait l'image qui passait au-dessus de la top bar. Et là, par exemple, on a un courir qui est en superposition avec les informations de la top bar. Ok, je vais accélérer un peu parce que je pense que... bon, il faudra qu'on voit au moins l'app. Ça peut venir Youssef avant. Du coup, ok, donc là, on est dans le cœur de l'application. Petit truc qui m'a choqué, moi, perso, quand je suis arrivé, c'est en bas. On a deux actions. On a deux plus, ouais. On a deux plus. Alors, déjà, il y a le floating action button qui n'est pas bien positionné. Il est collé au bord, alors que dans les guidelines matériels, on va plutôt avoir des marges à droite et en bas. Et j'étais étonné aussi de voir, du coup, un floating action button dans la mesure où tout le reste n'est pas matériel. Mais ce composant-là l'est. Donc, j'étais un peu étonné. Mais en plus de ça, effectivement, et en fait, quand tu slides à gauche ou à droite, le bouton plus du centre, lui, il reste là. Parce que du coup, il est lié aux habitudes de tâches. Mais ouais, c'est du coup, comme c'est l'écran principal, c'est assez perturbant. Et je suis pas sûr d'avoir bien compris la nécessité d'en avoir deux. Il y a peut-être moyen d'avoir un seul plus unique. Il y a un autre truc que je n'ai pas trop compris, c'est que là, tu peux ajouter une habitude. Et ici, celui-là, ce bouton plus au milieu, c'est aussi pour ajouter une habitude. Ouais. Je me dis, c'est un peu dommage de l'avoir à deux endroits différents, quoi. Je pense que mieux garder ce tab-là pour les tâches à faire, quoi, et l'autre tab pour les habitudes, et pas mélanger les deux. Carrément. Sinon, on va essayer de rajouter une habitude par les courses, je propose. Le jeudi. Donc. Une autre icône, il y a des remarques dans le chat, et une autre icône à la place du plus. Effectivement, je pense que s'il y a une icône, si le bouton est quand même pertinent, je pense qu'une autre icône que le plus pourrait. Pour bien dire ce que c'est la fonctionnalité derrière, quoi. Pour bien avoir une bonne iconographie, c'est important. Et en plus de ça, j'aime bien les propositions de dates. Enfin, que ce soit pas juste un calendrier que ça propose ce week-end, dans 3 jours, la semaine prochaine. Je trouve ça propre, ça. Et que tu puisses décaler aussi après, demain, dans 3 jours. Surtout quand c'est une app où, en général, tu fais pas les choses. C'est le genre de truc qui pourrait vraiment me servir. Je ne sais pas si c'est bien, finalement, du coup, de pouvoir décaler si facilement. Effectivement. Aussi, une petite remarque. On a eu d'autres trucs d'onboarding. Et moi, quand je suis arrivé sur cet écran-là, j'étais pas sûr de savoir qu'est-ce qui... Oui, il y a un onboarding, effectivement, parce qu'il y a déjà des tâches qui sont prêtes. Mais moi, je n'étais pas sûr de savoir un peu qu'est-ce qui était quoi. C'était quoi les icônes au-dessus? C'était quoi mon l'écran sur lequel je suis arrivé? C'est quoi le 0.0 en haut à droite qui est en fait le score qu'on obtient par rapport à la gamification? Et en fait, on a des onboarding, mais ils ne nous expliquent pas tellement les concepts de l'application. Ils nous disent juste... tiens, vas-y, crée ta première tâche et puis tu verras en fait. Et puis en fait, on est lâché. Donc, je trouve ça dommage d'avoir plusieurs onboarding et de ne pas finalement aborder les fonctionnalités de l'application. Ouais, je trouve ça sympa là, du coup, de pouvoir continuer le onboarding un peu avec des tâches dans l'application, mais c'est pas assez poussé pour pas assez guidé quoi sur comment on commence au début et qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Faire un petit tour de l'app, il y a une petite description, quoi, mais c'est un peu léger sur qu'est-ce qui existe dans l'application. Avec les actions, avec juste l'icône au-dessus, sans texte, on est obligé de trifouiller pour savoir ce qu'on va faire, ce que les onglets vont faire surtout. Tout à fait. Est-ce qu'un long clic, par exemple, il y a une petite toast qui montre genre ce que fait l'icône en haut? Non. Okay. Des fois, ça peut être intéressant d'utiliser le long clic pour faire un toast. Ok, là, c'est genre section. On va rajouter des points du coup sur le compte. Là, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles icônes qui sont apparues encore en plus. Ça me perturbe encore plus. La magie des points. La magie des points. Je pense qu'il pourra nous guider peut-être dans ces trucs-là, parce qu'effectivement, là, c'est des nouvelles icônes sans explication. Quand tu cliques, ça fait quelque chose ou... Attends, là, ça a consommé 100 points, j'ai l'impression. Moi, je pense que c'est parce qu'il est sur le serveur. Il modifie. Il manipule un peu le compte. Je pense qu'on peut définir une routine du matin, une routine du jour, une routine du soir. Ouais, j'aurais peut-être vu définir une routine et dans ça, choisir... quelle routine on veut, quoi. Ouais. Et puis, je me demande c'est quoi, pourquoi débloquer ça à partir de X points, genre les routines, ça me semble être assez. C'est exactement ce que je me suis dit aussi. Ouais. Assez logique dans ce genre d'application. Il y a peut-être à revoir les steps dans la gamification lorsque tu unlocks. Ouais. Après, je sais pas trop. On n'a pas d'avancement, on ne sait pas à quoi ça va nous servir les points. Ça pourrait être bien aussi d'avoir, là je prends comme exemple en général Duolingo, où on peut savoir exactement ce qu'on va avoir avec les points, etc., comment on peut les consommer, tout ça. Les paramètres. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse revenir Youssef pour justement que vous puissiez lui faire part là, de ses premiers sentiments, puis qu'il puisse aussi vous donner lui son éclairage. Alors Youssef, est-ce que tu peux revenir? Super. Merci d'abord pour votre analyse, des retours et des feedbacks très pertinents. Le dernier écran d'onboarding, je l'ai fait à la toute fin, c'est parce que j'ai ajouté la feature d'analyse de tâches par IA à la fin et je voulais expliquer et montrer à l'utilisateur à quoi elle correspondait parce que ce n'était pas très évident de faire comprendre ça, mais je pense je peux faire encore mieux. Est-ce que c'est utile de dire que c'est une IA derrière? En fait, moi, ce que j'ai détesté dans les autres applications, c'est que quand on ajoute des tâches, après, si on veut une icône particulière, il faut y penser, il faut la choisir. Si on veut la catégoriser dans un thème, il faut y penser, il faut la choisir. Quand on a après une notification de rappel par rapport à la tâche, c'est un truc générique pour toutes les tâches. Pour moi, ça, c'est vraiment un plus qui me… C'est un kiff parfois de mettre une tâche, mais quelle icône je disais, en fait, je remets pas en question la catégorisation automatique par IA. Ça, je trouve que c'est bien. C'est plutôt la partie, est-ce que dire que c'est une IA, c'est vraiment pertinent ou pas? Et après, ce qui pourrait être bien aussi, c'est de pouvoir éditer. On n'est pas à l'abri que l'IA se trompe. et que toi tu veux mettre autre chose. Et j'ai pas vu de édition de dire bah ok, en fait je vais mettre ça dans telle autre catégorie, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais, ouais, mais en plus comme ça marche plutôt bien, en vrai c'est pas forcé, je pense, de dire que c'est une IA, quoi. Ça peut être, c'est juste le plus. L'utilisateur sera content parce que ça marche, mais je suis pas sûr qu'il ait besoin de savoir pourquoi ça marche. Ouais, c'est vrai. Sinon, par rapport à l'aspect pourquoi est-ce que je développe pas toutes les fonctionnalités d'un coup, c'est parce que je compte sur le fait que l'utilisateur voit la page des badges. Et ensuite, si on va en haut à gauche, pour que Quentin, est-ce que tu peux y aller? Sur le profil. Ouais, voilà, sur le profil. Ici, je compte sur le fait qu'ils veulent se demander c'est quoi ça, super concentration, ça pourrait être bien. Et du coup, il est besoin de faire des tâches. Et petit à petit, il va s'éduquer parce que vous avez dit qu'une routine, c'est simple, mais j'ai parlé à des gens et pour certaines personnes, c'est très compliqué un peu le concept de routine. Il y a différents niveaux dans la productivité. Au début, c'est les simples tâches, puis après, c'est des tâches récurrentes. Et après, c'est des routines. Souvent, ça dépend d'où est-ce que sont les gens dans ces niveaux-là. Et à travers cette application, je compte step by step faire avancer. Je trouve que justement, faire une routine, c'est hyper compliqué de se créer une routine. Et j'ai pas retrouvé comment. Du coup, c'est assez compliqué de s'en faire une. Donc, si en plus pour en rajouter une, c'est encore plus compliqué dans l'application, je trouve ça un peu mal. Oui, mais je comprends ton principe, mais je l'ai pas bien retrouvé dans ce que t'expliques, mais je l'ai pas bien retrouvé dans le onboarding, quoi, dans le truc de va faire des tâches d'abord et après ça va devenir une routine. J'avais pas compris ça comme ça. C'est ça, ouais. C'est parce que cette page-là, peut-être il faudrait qu'elle pop un peu avant, parce que là, normalement, quand on arrive tout au début, si je vous mets 0 points, je crois pas que c'est réactif. Il va falloir fermer la page et réouvrir, mais on a vraiment rien. Et même pas les habitudes, mais les habitudes, ils se débloquent très vite au bout de 2-3 tâches. Et ensuite, l'idée, c'est d'essayer de donner envie à l'utilisateur d'avancer, de comprendre ces 4 logiques de productivité de lui-même. Je pense qu'il faudrait… alors là, pour l'instant, je vois que quand tu cliques, Quentin, sur un des badges, il y a le score à atteindre. Je pense que pour réduire le clic et pour bien comprendre que c'est des badges, le score, il devrait déjà apparaître dans cette page-là pour dire « Ok… je vois les différents badges, et aussi comprendre que les badges, c'est pas simplement des choses à collectionner, c'est vraiment des features qui vont être rajoutées en plus. Et ça, donc pareil, ça ne transparaît pas. Pour moi, dans des badges, dans les autres applications que je peux utiliser, qui fait de la gamification, c'est vraiment plus des badges qui sont juste à titre là, illustration. C'est une illustration, quoi, tu vois, c'est genre, c'est bien, mais ça va pas changer l'expérience que j'ai, quoi. Ou même du progrès. Encore plus en Vas-y, pardon, Julien. Je disais, même l'histoire de progrès. Ce que j'allais dire. T'es presque à ton objectif. Au moins d'avoir un peu la big picture de tes objectifs qui vont bientôt être réalisés. Okay. En termes d'app comme ça, que j'ai beaucoup utilisé, moi en ce moment, c'est Swarm qui permet c'était genre le pendant de Foursquare qui permettait de gagner des points en te checkant dans des places. Ouais. En termes de gamification et de gain de badge, ils avaient fait un travail très très cool, je trouvais. Je pense qu'il y a moyen de s'inspirer de cette app-là. Sinon, pour en revenir sur la home... Attends, juste pour cette partie badge, moi je pense qu'il peut être pas mal, c'est juste à la suite de l'onboarding, de faire en sorte que la personne elle coche la première tâche. Juste, et en fait, ça te montre, et regarde, tu as débloqué un badge, et comme ça, tu peux lui montrer un peu tout le parcours dès la première utilisation et lui dire, bah voilà, en fait, tu vas débloquer des badges, et à quoi ça sert, tu peux débloquer plus de fonctionnalités. Okay. Tu sais, faire une sorte de fil rouge qui arrive jusque-là dès le début, comme ça, tu fais en sorte que ton utilisateur arrive jusque-là. Ok, super intéressant. Du coup, je sais pas, là, on pourrait pas. J'aurais bien aimé avoir votre avis sur la partie setting, sur la partie classement aussi. Sur d'autres choses, je sais pas si on a le temps, mais là avec la Robin revienne, je me suis dit c'est bizarre, je ne peux pas out du classement, je suis obligé d'être dans le classement. Ouais, je pourrais faire un truc. Et dans la partie settings, j'ai mis différentes langues aussi, cette langue, le dark mode, le light mode. Ça marche plutôt bien. classique. Ouais. Après, j'aurais peut-être mis encore pour le thème sombre le fait de s'adapter au système, normalement. Okay. Ouais. Je crois que de base. C'est ce que ça fait de base. Mais du coup, ça veut dire si quelqu'un veut rester en light, ouais. Après, une fois que tu as coché, tu es bloqué. Quoi. Ah ouais. Normalement, tu as trois propositions. Tu as suivre le système, light et dark. Et c'est une petite pop ou une bottom dialogue qui s'affiche, peu importe. Enfin, okay. Ouais, tu as trois options. Et moi, j'ai une petite. Du coup, tu parlais des différentes langues. Moi, j'ai juste une petite remarque. Je ne sais plus exactement dans le but de cet écran, mais quand je quitte l'application, quand je mets mon téléphone, quand j'éteins mon téléphone, mais que je reviens, je pense que l'application est encore ouverte. J'ai une espèce de boîte de dialogue qui s'affiche avec un message. Je vais essayer de le refaire vite fait. J'ai une petite boîte de dialogue qui s'affiche et ce message, il est en français et mon téléphone, à moi, il est en anglais. Donc, faire gaffe de bien traduire partout. Parce que du coup, si tu supportes plusieurs langues, là, tu me dis qu'il n'y a pas que l'anglais, du coup, il y en a d'autres. Il faut bien s'assurer d'utiliser des chaînes de caractères traduites dans toutes les langues. Quoi, du coup. Et sinon, sur la home, il y a le petit bouton en bas à gauche. Je permets juste, là, je vais finir dans les settings. Je trouvais un truc hyper dommage dans l'application, là, le reminder. Il est désactivé par défaut, alors que je pense que dans une app où tu veux construire des habitudes, c'est un peu dommage de pas recevoir des notifications pour t'encourager à suivre tes habitudes. Ouais, moi, ce qui est bien, c'est que du coup, ça demande les permissions qu'au bon moment. Ouais. Mais... Au bout d'une tâche ou deux, quand on revient sur l'appli, il y a cette page-là qui pop et qui demande. Mais ouais, c'est okay. Bonne chose. Je l'ai pas eu. Ok, ça va. Ouais. Et, oui. Du coup, à gauche, là, c'est pour les deep work. Les routines, pourquoi c'est comme ça? En fait, les routines, je les utilise tous les jours. Et quand on est dans l'heure de la routine, le bouton, il est en surbrillance et il t'invite à cliquer. En fait, j'ai aussi essayé de penser l'appli pour avoir le moins de touch possible pour l'utilisation casual. C'est-à-dire que quand on veut setup un truc au début, c'est rapide, mais ça peut prendre plus de temps. Mais après, pour les utiliser, pour consommer des habitudes, des tâches ou des routines, en 2 touches maximum, en général, tu fais ce que tu veux. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'il se débloque au fur et à mesure des points. C'est ça. Ouais. Du coup, ça, en gros, c'est si on dit, par exemple, corriger un bug, je me donne 1 heure. Quand on slide, on perd 12 points, mais on gagne des points aléatoirement comme si on minait. Et au général, on rattrape ce qu'on a dépensé et du coup, ça nous encourage. On a un petit son aussi quand on valide une tâche, une habitude ou qu'on est en sport qui fait un petit tring, tring, tring. Et, ça donne un peu de la dopamine à force de le faire. De l'entendre. C'est une petite récompense. Et aussi, quand on coche une animation, il y a une petite animation. Et... Voilà, avec le petit son là, on l'entend pas, mais... Ah oui, là-haut, oui, pour les points qui s'ajoutent, etc. Il y a des fois, quand tu coches plusieurs lignes d'affilée, parfois j'ai eu quelques bugs d'affichage, ou enfin, je sais pas si c'est des bugs d'affichage ou si ce sont des bugs de j'ai pas coché ou pas, mais en gros, je les cochais toutes, je quittais l'écran, je revenais, et j'en avais certaines qui étaient décochées, alors que je les avais toutes cochées. Ouais, il doit y avoir un... Ouais, il y a deux... Il y a potentiellement des petits soucis de persistance. Et moi, j'ai aussi testé l'application en mode tollback. Ah oui, elle est affreuse. Voilà. Je ne sais pas si tu as l'habitude de gérer l'accessibilité des applications. Non. Mais du coup, là, ton application, elle n'est pas du tout accessible. Okay. Je suis très vite arrêté parce qu'en fait, aucune icône, tu n'as aucun… Alors, je ne sais pas du tout comment c'est géré côté Flutter parce que je ne connais pas trop la techno. Mais en tout cas, dans du natif, tu peux donner des content descriptions, des icônes, etc. pour dire un peu ce qui se passe derrière. Et donc aujourd'hui, un malvoyant, il peut pas utiliser l'application parce que rien que les tabs au-dessus ne te disent pas ce que c'est, tout simplement. Quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis renseigné simplement avec un widget qui s'appelle sémantique. Et je compte c'est dans ma to-do. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Surtout que selon l'application, ça pourrait les être utile aussi. Quoi. Oui, c'est adapté à des personnes malvoyantes. Voilà. Alors on va conclure. Est-ce qu'il y en a l'un de vous qui voulait rajouter encore une chose avant qu'on passe à l'application d'après? Non. Pas mal. Plutôt good job. Ouais, super. En vrai, Youssef, ce que je te propose, c'est est-ce qu'il y a un moyen de te suivre? Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour ceux qui suivent justement l'app clinique de t'envoyer des retours sur l'application? Oui, alors sur Twitter ou bien sur LinkedIn, Youssef Appmaker. J'essaye de travailler un petit personal branding. Et voilà, moi, mon but, c'est de faire des applications qui aident les gens dans leur quotidien de tous les jours. Avec Evolume, je pense qu'on a atteint cet objectif pour retrouver la paix intérieure, d'après le feedback qu'on a. Et là, avec cette appli, j'aimerais aider les gens à faire des choses, à avancer dans leurs projets et à être ce qu'ils veulent être. Voilà. Super. Et ben, n'hésite pas à mettre tous ces liens dans le chat. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir proposé ton appli. J'espère que les retours, je suis même sûr que les retours, ils ont été utiles. Yes. Et voilà, n'hésite pas à nous mettre tous les détails de ça dans le chat. À bientôt, Youssef. Merci, Youssef. Alors, du coup, on va parler de la deuxième appli. On va passer à PlantNet. Et pour parler de PlantNet, ben, je vais proposer à l'un des développeurs, à Hugo, de venir en parler directement. Hugo, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Robin. Bah, merci de... Alors, vas-y. Ouais. Merci de m'accueillir, Robin, et au Frog et au Dev Café, à toute l'équipe. Bah, du coup, je m'appelle Hugo Grèce. Je suis développeur mobile à l'INRIA pour le projet PlantNet. PlantNet, c'est un projet de recherche à la base dans le but d'identifier des plantes et de construire une base de données mondiale sur la biodiversité végétale. Donc, concrètement, vous êtes dehors, vous prenez une photo de plantes qui vous entourent, ça va vous dire quelle espèce c'est. Et après, du coup, vous allez pouvoir contribuer ces données-là à PlantNet dans le but de... Okay. On continue. Ouais, non, c'est pas grave, je réfléchirai après. Dans le but de produire des données de biodiversité végétale, vous contribuez ces données-là, donc la photo, l'espèce que vous avez choisie, le GPS, etc., en ligne. Et ces données-là, du coup, elles vont être partagées après sur le GBIF, une base de données mondiale sur les biodiversités, en tant qu'indicateur de biodiversité végétale, donc afin d'indicateurs de changement climatique, d'arrivée d'espèces invasives dans une zone précise, etc. Et donc, PlantNet, c'est un projet de recherche qui est fait à Montpellier, les serveurs sont à Montpellier, une toute petite équipe, on est 3 ou 4 sur la production vraiment mobile, web, base de données, etc. Et après, 5 personnes sur la partie recherche scientifique derrière. Et donc, du coup, c'est financé par les instituts de recherche et aussi par vos dons qui payent mon salaire et le salaire d'autres collègues. Voilà, je vous laisse la place et on en reparle quand vous avez fini. Merci. Super, merci beaucoup Hugo. Alors on va fonctionner exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire que Quentin va prendre la main sur l'application. Juste PlantNet, comme l'a dit Hugo, ça permet d'identifier des plantes. On peut le faire, vous allez le voir hein, dans l'application, on peut le faire via la caméra ou via la galerie. Ce qu'on peut faire, c'est comme là, je suis à l'intérieur. Ce matin, je suis allé faire un petit tour et je suis allé prendre quelques plantes en photo. Donc directement dans la galerie du téléphone, vous pourrez en trouver quelques-unes. Voilà, je vous laisse découvrir l'application et on fait revenir Hugo d'ici une dizaine de minutes après les premières reviews. Merci, Romain. Merci. Du coup, onboarding. Je l'ai trouvé un peu chiche, du coup, comme première phrase. C'est-à-dire, ça flore. Je ne sais pas vraiment à quoi je m'engage, en fait, en choisissant ma flore. Ouais, je pensais que c'était. Je pensais que moi j'avais. Je lis en anglais, alors je pensais que c'était. J'ai Flora, moi. Je pensais qu'il y avait. J'ai pas regardé la traduction de Flora, mais je pensais qu'il y avait un terme qui me parlerait plus en français. Mais du coup, c'est pas le cas. Ouais, tu peux... Mais du coup, je suppose que c'est un peu pour quand tu prends une photo. Normalement, t'as des. Dans les régions. Ouais, parce qu'après, quand on clique carte, on a accès directement genre, aux régions, genre Europe, Afrique, Amérique, etc. Donc, je pense que ouais, ça se base sur ta géoloc, ou alors tu choisis la région où tu es. Du coup, c'est une région très approximative parce que bah, tu peux tester ouais, un peu. Ouais, c'est l'Europe de l'Ouest, mais du coup, si tu fais par GPS. Il propose, il y a une permission qui arrive, je ne sais pas s'il va te la... Voilà, parfait. Il va te dire, bah, est-ce que tu veux une précise ou une approximative? Je me suis dit, bah vas-y, je donne une approximative, il n'y a pas de raison que je donne une précise pour ça, il me semblait. Et en fait, quand tu choisis approximative, il va te redonner, voilà, il te dit, bah non, en fait, j'ai besoin de la version précise. Mais si je vois que du coup, dans les autres choix au niveau carte, tu peux choisir juste toute l'Europe, je suis pas sûr que ce soit pertinent d'avoir la précise. Ouais, clairement. Finalement, en fait, une fois que tu as accepté, quoi, et tu dis, bon, je veux bien donner mon exact, quoi. Ouais. Finalement, il me dit Europe. Bah, ouais, je passe. Ouais, clairement. T'as un peu Cévennes, du coup, qui est censé être plus proche que l'Europe. Il faut savoir où tu es. Bon, je vais dire Europe parce qu'on est quand même en Europe. Création de compte, voilà, c'est pas mal. Ça explique un peu les avantages du truc. On a peut-être mis en bullet point ou un truc un peu plus sympa à lire. Je trouve qu'on peut passer, ça c'est, je trouve assez important. La première fois que tu utilises une app et que tu veux juste voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, de ne pas être obligé de créer un compte. Après, je me demande du coup, est-ce que cet écran il est utile finalement, parce que du coup, est-ce qu'on ne passerait pas tout le temps, quoi, parce que tu comprends, t'as pas souvent envie, quoi. Du coup, tu pourrais rentrer directement dans l'application. Et c'est seulement quand tu as besoin d'un compte que. Après, du coup, ça explique que c'est quand tu veux donner des observations et pas seulement consommer le fait que identifier des plantes, quoi. Enfin, vu que ça l'explique bien, moi, ça me dérange pas. Enfin, je trouve ça utile, du coup, parce que je sais pourquoi je dois le créer après. Ça marche. J'aurais peut-être mis en place un pager dans l'onboarding, parce qu'on a l'impression qu'on passe d'écran en écran, avec le header qui est similaire sur les trois écrans. Et genre, en gros, on tourne les pages. On aurait pu faire une petite. J'aime bien les animations de pages. Ça, c'était pas remarqué. Mais je pense que l'onboarding aurait été plus fluide et sympa en gardant fixe le header et en changeant le contenu. Okay. Je tente d'identifier une fleur. T'as des jolies fleurs chez toi, Robin. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait là ? Il match avec d'autres fleurs de ma région, c'est ça ? Ouais, je crois qu'il a essayé de faire un petit peu d'OCR sur la fleur pour savoir laquelle était la bonne. Mais ça a l'air compliqué quand même, parce que 64%. Ou la belle URL en taux. Ouais, je crois que j'ai appuyé longtemps sur. Je sais pas où. Par contre, c'est peut-être pas ouf. Ça fait quelque chose de message sur le 64%. Ah, ok, d'accord, c'est là. Ça explique. J'ai un petit message explicatif. C'est pas mal ça. Après, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'infos et de types de textes différents. Et de boutons un peu partout sur la cellule. Je ne sais pas trop quoi faire. Là, en gros, tu voulais identifier, bah, tu sais ce que c'est, quoi, du coup. Enfin, tu as en premier Narcissus Gentil, tu sais probablement que c'est celle-là, quoi. Moi, si je demande. Le taux s'est réapparu, là. Le scroll. Si j'appuie trop longtemps et en haut, ça copie le... Ah, ok. Je ne sais pas ce que ça copie, mais ça copie. Ça copie l'URL, j'imagine. Ouais. Ça doit copier, je ne sais pas. On peut aller directement sur la page Wikipédia ? Ouais, du coup, c'est ça. Si tu choisis la narcisse, là, tu as plusieurs photos, je crois, qui correspondent à chaque catégorie. Les icônes ne sont pas forcément explicites. Moi, j'aurais bien aimé un glossaire quelque part pour les expliquer. Je vais supposer que c'est fleurs, feuilles. Oui. Ok, d'accord. W, c'est Wikipédia, c'est ça, du coup ? Ouais. Moi, j'avais pas compris, effectivement. Wikipédia. Ah oui, d'accord. Ok. Mais c'est cool de pouvoir le voir directement. Ouais. Surtout s'il y a une page de Wikipédia par fleur, c'est pas mal. Et la région. Ah oui, ok. Ah ouais, trop bien. Où est-ce qu'elles ont été observées voilà. Du coup, c'est peut-être pour ça la localisation exacte. pour savoir où elles ont été. Peut-être pour ça, exactement. Oui. Maintenant que tu le dis. Après, j'avais l'impression que c'était quand même des carrés un peu gros. Ça, ça présentait souvent au début, mais ouais. C'est pour donner des tendances, j'imagine, si ça doit pas être un truc très précis. Enfin, en tout cas, dans l'application, peut-être que du coup. Enfin, normal, je log assez précis, c'est loin, quoi. C'est pas très loin non plus. Donc, ça pourrait être suffire, je pense. Donc, on était là. Bon, on va dire qu'on valide cette plante. Et du coup, c'est à nous de valider. Je connaissais pas du tout l'application avant, mais donc, c'est à nous de dire. C'est bien de mapper avec la bonne fleur. Je sais pas trop ce que ça fait. Je sais pas quand Hugo reviendra. Comment ils s'en servent de cette donnée-là d'association, de validation, si c'est utilisé après dans la recherche chez INRIA ou pas. Oui, en fait, potentiellement, tu peux faire de la merde, en fait. Oui, c'est ça, j'en sais rien. Mais en fait, tu as deux algos différents de ce que j'ai lu. Okay. Quand tu vas dans les settings, en fait, ils expliquent un peu ce qu'ils font des données. Et en fait, ce que je me rappelle, c'est qu'il y a du coup un algo qui est entraîné uniquement par intelligence artificielle et un algo qui est alimenté aussi par les retours des gens. Et il fait des comparatifs peut-être entre les deux. Après, j'ai pas lu non plus toutes les mentions légales. On demandera à Hugo quand il reviendra. Donc là, on arrive à faire notre truc. Donc on a, je pense, notre historique de fleurs qui arrive ici. Je pense que si jamais on veut, là, elle n'est pas publique. Du coup, si on veut la mettre publique, elle arrive, si on la partage, je pense qu'elle arrive dans le flux et tout le monde peut la voir. Je crois que c'est là où tu as une deuxième validation quoi, qui peut être faite par la communauté. Donc, on n'avait pas de... Et juste pour... tu étais dans dans la plante que tu avais identifiée. Ouais. Juste un retour plus UI pour le coup. Mais le plus tard, en gros, il y avait un bouton plus tard en dessous de partager et je le trouvais vraiment tout petit. Et c'est le genre de truc qui pourrait m'arriver de cliquer genre sans faire exprès sur le partager. Je sais plus dans... Comment on y retourne, je sais. Sur le petit nuage, oui, non, là. Le bouton plus tard, tout en bas. Moi, j'ai donné ma géologue et il a quand même pas trouvé. Effectivement. Moi, je suis un peu perdu quand même sur toutes les actions qu'on peut faire sur un item. Quoi. Tu peux trouver la fleur, tu peux trouver la jonquille. C'est cliquable, ce truc-là. La cellule. Ah, ouais. Tu peux faire plein de trucs sur... Mais... Ah, bah ça, je l'avais même pas pensé à cliquer dessus, en fait, parce que pour moi, c'était une cellule. Et du coup, c'est genre une carte presque, tu vois. Et donc, un item de liste. Donc, pour moi, c'est tu rentres dans l'item global, quoi. Les deux, j'ai pas du tout pensé de cliquer dessus. La jonquille est cliquable et non, ça, c'est pas cliquable. Par contre, le Amari... Ah, ça, par contre, c'est pas... C'est peut-être un truc à... En termes de navigation, c'est peut-être un truc à revoir, quoi. Ouais. Ok... Je crois qu'il y a une recherche. Ouais. Moi, si tu vas dans les spécimens, il y a un truc qui me dérange ici, c'est que quand tu. Là, tu es dans les espèces, là, c'est ça, ouais. Si tu changes, tu vas dans genre ou famille, par exemple. Ouais. Tu as l'icône en haut à gauche qui disparaît. Et si tu retournes sur espèces, elle réapparaît. Je trouve c'est un peu. D'abord, j'ai pas compris pourquoi. Et déjà que c'est normalement cet emplacement-là utilisé pour les icônes de navigation. Là, du coup, c'est pas du tout le cas. C'est juste pour avoir un autre affichage. Affichage en gris qui est aussi du coup utilisé dans le genre et la famille, mais du coup j'ai pas trop compris pourquoi l'expérience elle est un peu particulière, je trouve. Ouais, j'étais assez perturbé aussi par la recherche. C'est t'as un badge qui vient suivant où t'es quand tu fais ta recherche pour rechercher dans l'endroit où t'es. Ça au pire c'est pas mal, parce que du coup, tu vois exactement... Enfin, tu sais dans quel contexte tu es. Effectivement. Ouais, après, c'est... Je sais pas si on... Là, tu es dans une recherche globale, là, parce que je vois que tu as les deux. Ah, t'as retiré le badge, peut-être, enfin, le filtre, à la main. Oui, je l'ai retiré avant, pardon. Ah, ok. Du coup, j'ai mis donc, genre, après, tu peux faire une recherche par toi. Et j'arrive dans les espèces. Oui, parce que j'ai cliqué sur... ah oui, ok. Du coup, si j'avais mis tulipe, j'avais choisi un nom commun, j'arrive directement dans le détail de l'espèce. Bon, un peu... Oula, ouais, non, j'ai perdu. Il y avait aussi, il y avait un peu cliqué sur le bouton de filtrage. Ouais. Et c'est un peu le souci. En fait, moi, cette icône-là, quand je te dis bouton de filtrage, tu as directement compris que c'était celle-là. Et en fait, ce qu'il te propose, c'est pas des filtres. Et donc, du coup, j'étais en mode, bah, en fait, je peux pas filtrer ou c'est quoi? Et donc, en fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce menu, vraiment. C'était un peu flou. Et en fait, même quand du coup j'ai testé cette application-là aussi avec Tollback, il me semble qu'il dit filtrer textuellement. Donc dans les descriptions, c'est bien filtré qui est partagé, mais dans l'usage, ça semble pas être le cas. Il y a aussi un bouton filtre un peu particulier. T'as tout identifié. Ouais. Voilà, mais là, pour le coup, c'est un vrai filtrage. Un vrai filtre, ouais. Là, ça marche mieux. Ouais. C'est un vrai filtrage. Après, je sais pas si c'est la meilleure manière d'afficher des filtres, mais en tout cas, c'est un. Tu filtres vraiment sur le truc, quoi. Ouais. Bah, là, je pense que le premier, ça filtre un peu, quoi. Mais oui, bah, si, c'est quand même un. Mais je sais pas. Alors peut-être que je m'y connais pas assez en plante, donc. Mais je sais pas tout ça, quoi, ça correspond. Je pense si c'est quand même un filtre, mais c'est juste que c'est assez perturbant parce que tu as un switch et un le menu avec une liste pour filtrer. Une models. Pas le coup là de faire un écran à part avec. Ouais, carrément. Pour bien partager d'avoir une expérience de filtre un peu similaire à ce qu'on voit ailleurs, quoi. Ouais. J'ai pas compris aussi, enfin si j'ai un peu compris, mais donc tu as les groupes aussi en bas à gauche là. Je n'ai pas trop fait, ouais, je sais pas trop. En fait, si j'ai bien compris, je suis pas sûr, mais si j'ai bien compris, en fait, soit tu peux créer un groupe, soit tu peux rejoindre un groupe, et tu as une notion un peu de sociale. Je serais curieux d'avoir un peu l'avis de Hugo, mais j'avais l'impression que tu peux partager des photos de plantes ou quoi avec les autres personnes de ton groupe, pourquoi pas, mais j'ai pas trop compris non plus l'intérêt derrière. Je me suis dit, bah, c'est bizarre, j'ai déjà la région, quoi, dans laquelle je suis, ça me paraît être le groupe le plus adéquat, quoi, et en fait, tu peux avoir un autre groupe encore en dessous. Et hormis si j'ai des amis qui sont vraiment fans de plantes, bah, peut-être que là, ça a son intérêt, mais... Et puis j'imagine que les gens qui utilisent cette application sont des gens qui ont quand même un attrait, donc peut-être que c'est pertinent. Mais je sais pas si, de prime abord, j'ai pas spécialement compris l'intérêt de la. Je sais pas si c'est un peu social, recruter des gens dans son groupe ou pour avoir plus de gens pour aider, je sais pas. Bah, après, il doit y avoir vu que c'est un institut de recherche qui est derrière, il doit y avoir des raisons par rapport à ça. Donc, je serais curieux de savoir. Alors justement, je pense qu'on a eu le temps de voir. Là, on a vu pas mal de fonctionnalités. Je pense que ce qui peut être sympa, c'est qu'on fasse revenir Hugo justement pour échanger sur ce qu'on a déjà vu, sur les retours qu'on a déjà faits. Et puis peut-être que tu apportes aussi des éclairages sur certaines fonctionnalités. Yes, merci Robin. Bah, du coup, en premier, sur l'aspect géoloc. En fait, la géoloc est très importante pour nous. La localisation d'une plante, d'une espèce qui est identifiée dans l'application, c'est une donnée qui est primordiale pour nous, pour vraiment dire, ok, il y a une espèce qui est à Montpellier et qui n'est pas en région parisienne, quoi. Et avec ça, du coup, ça nous permet de suivre cette espèce-là de manière géolocalisée dans un pays et dans le monde, quoi. Pourquoi tu proposes des cartes, alors, du coup? De quoi? Pourquoi tu proposes par carte, du coup, si c'est vraiment si important que ça? Après, c'est la flore. En fait, en fonction de là où tu habites, les espèces qui vont être natives à cette zone-là vont être différentes. Du coup, c'est l'aspect flore. On a une flore qui est assez générique pour l'Europe de l'Ouest, parce que la flore de l'Europe de l'Ouest, elle est quasiment, enfin, elle est bien connue, et elle est assez délimitée et elle est assez précise. Autant, c'est pas du tout la même que celle d'Asie, que celle de l'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord, etc., quoi. Et du coup, ça va enlever des espèces dans les résultats d'identification pour pas te proposer une espèce qui vient du Japon si tu es en randonnée dans les Cévennes, par exemple. Et du coup, il ne faut pas prendre en photo les plantes qu'on a achetées dans le commerce chez nous. Tu peux, il n'y a pas de souci. Nous, derrière, en fait, quand on va contribuer les données en ligne, on va essayer de détecter justement ces schémas-là. En fait, là, c'est plutôt une plante en pot, une plante dans un balcon, etc. On va ne pas les contribuer, justement, pour contribuer uniquement les plantes qui ont été observées à l'état naturel derrière. Donc, il faudrait peut-être l'expliquer du coup un peu dans le onboarding pour... Peut-être qu'on télécharge l'application qu'en la connaissant, mais c'est vrai que là... ouais, c'est compliqué. On nous a demandé de la télécharger, on n'est pas trop regardé. Et en plus, en mettant le onboarding, on a perdu 0,2 points sur le store, on est passé de 4,7 à 4,4, entre le style, ou 4,6 à 4,4. Voilà, du coup, on réfléchit, mais c'est important pour nous, l'onboarding, parce que du coup, on pousse les gens aussi à créer leur compte. Oui. Okay. Et du coup, l'application, elle est ultra utilisée. Là, il y a 10 millions de téléchargements, là, j'ai vu sur la page du Play Store. Ouais. Et on parlait juste avant de la pertinence des associations, des validations, tout ça. Il n'y a pas des soucis à ce niveau-là? Parce que est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de faux positifs? Ouais. Alors, ouais, du coup, on a 600 000 utilisateurs en fonction des périodes par jour. Ouais, putain. Okay. Et après, en fait, quand tu veux choisir une espèce, dire c'est ok, c'est bien du basilic avec telle espèce, derrière, tu as un compte utilisateur, tu vas faire contribuer cette observation de plantes en ligne, donc à PlantNet. Ton poids utilisateur, il n'est pas identique. Donc en gros, je m'appelle Gérard et j'ai jamais identifié de plante. Ton choix d'espèce, il va être moins important que si on a un botaniste qui arrive et qui dit ok, c'est cette espèce-là, qui du coup va être considéré comme un poids plus fort et passera à l'observation valide derrière et aussi révisé par la communauté. Et dans cet aspect-là, après, c'est toujours très sensible de trouver le bon milieu et le bon palier entre les différents poids des gens, etc. Bon, c'est un aspect un peu recherche, mais c'est pas très important derrière, mais on arrive à s'en sortir. Moi, j'ai une question plus sur l'utilisation globale de l'app et un peu... Parce qu'en fait, on est obligé d'être logué pour, par exemple, partager des photos. Mais est-ce qu'il y a genre un algo qui dit « bah ça, c'est pas une plante, tu peux pas le publier ». Parce qu'avec 600 000 utilisateurs, il y a toujours des risques. Donc tout ça valide quand même que c'est une plante. Ouais, ça valide que c'est une plante. Alors l'algo, il marche très bien. On a quasiment plus de soucis aujourd'hui sur identifier les images de corps humain, du visage, de mains et tout ce que tu peux imaginer pour pas que les gens voient ça dans le flux. Et du coup, ces données que tu peux identifier avec PlantNet, ça va dire que c'est pas une plante. Mais derrière, ça ne sera pas visible par les autres. Ok. Et après, sur l'aspect groupe, on en parlait Gérard tout à l'heure, l'aspect groupe, c'est vraiment de faire des communautés ensemble, un peu comme les groupes Facebook, en sachant qu'on ne peut pas vraiment interagir entre les personnes du groupe en dehors des commentaires des observations. Mais du coup, de dire, OK, on fait un groupe sur un parc national, régional d'une zone précise, et les gens vont pouvoir contribuer leurs données en ligne. Et idéalement, les personnes qui gèrent ce parc-là vont pouvoir récupérer ces données du groupe-là pour suivre la biodiversité de ce parc en détail. Ou, d'une autre façon, on peut dire, OK, je veux faire un groupe de plantes avec mes amis quand on fait des randonnées et de pouvoir se réviser entre nous, nos observations, etc. Il y a une modération sur les images avant qu'elles soient uploadées Alors, il n'y a pas de modération humaine du tout. Dans toute l'appli, il n'y a aucune modération humaine parce que on est trop petit pour le nombre d'utilisateurs. Du coup, c'est... l'IA qui va s'occuper de dire là c'est une image qui n'est pas, conforme, elle apparaîtra nulle part. Et si c'est une plante, par contre, elle apparaîtra. Ok. Je vais quand même poser une question, ça veut dire quoi CC by CA, SA, il est partout. Ouais, c'est la licence qui va être associée à cette donnée-là, donc à cette observation. Donc la licence de l'image, donc qui peut utiliser cette image-là. Donc Creative Commons by SA, il faut citer l'auteur et il faut garder dans l'auteur affiché et dans l'application. Je reviens juste sur un détail qui est très tricky à trouver, c'est quand tu vas dans ton profil sur l'observation. Du coup, tu parlais des zones de clic, donc Narcissus, Jonquille à L, Jonquille et à droite la famille. Et en fait, si vous avez des propositions comment améliorer ça, c'est je suis preneur. En fait, c'est toujours compliqué. On veut que les gens puissent accéder directement à l'espèce, donc en cliquant sur le nom en latin, narcissus jonquilla. On veut peut-être aussi que les gens accèdent au nom commun, donc le nom qui est en vert en dessous. En fonction des régions en France, ce n'est pas du tout les mêmes noms communs. Et du coup, c'est compliqué en fait, en termes de clics, en termes d'espace, d'espacement, etc., de trouver un bon compromis. Et du coup, vous n'avez pas une page de fiche de la fleur quoi, tu vois, qui centraliserait un peu toutes ces informations-là? Est-ce que ça ne pourrait pas être dans le détail? Est-ce que c'est forcément que ce soit dans la liste? Ouais, quand tu cliques sur nom 6, Jacquia, du coup, tu as une page résumée avec le nom de l'espèce, les noms communs, et après, il faut accéder aux autres détails. En fait, ici, qu'il y ait un autre onglet avant. Ouais, c'est ça, ouais. Un en-tête qui soit scrollable. Ouais, je pense que parce que même au niveau des zones de texte, je pense que tu es obligé d'avoir une taille minimum pour que ce soit accessible. Tout à fait. Enfin, vue d'œil, là... Comme ça, au pif, j'ai pas trop l'impression qu'il y a des 48. Ça a l'air d'être 48. Ouais. Ouais, clairement, les gens de texte, je les ai un peu grossis, mais c'est vrai que c'est clairement pas très accessible du tout. Si on fait une petite parenthèse d'accessibilité, j'avais testé du coup l'application. J'imagine que tu as fait un petit travail, ou en tout cas, il y a eu un petit travail d'accessibilité à un moment donné. En tout cas, c'est navigable, etc. Par contre, je pense que peut-être le travail, il n'est pas quotidien, il n'est pas régulier à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi après qui ne l'étaient plus, et donc du coup c'est en mode bon bah ça serait pas, il y a certaines parties de l'application qui ne sont plus accessibles quoi. Il n'y a pas soit de content description, soit qui n'indique pas que c'est un bouton qui va faire une action derrière, etc., qui dit juste le texte et puis basta. Donc j'imagine qu'à un moment tu t'es penché sur la question, toi ou un membre de ton équipe, et après que c'est peut-être plus régulier, j'imagine, alors on essaye, enfin, je suis tout seul à travailler sur l'appli. Du coup, j'essaye de faire attention quand je développe l'appli au jour le jour, mais j'ai pas Tollback activé, enfin, j'ai rarement Tollback activé, ce qui fait que du coup, il y a des trucs qui passent à la trappe et que je vois pas forcément. Il faut que je me penche plus dessus. Si tu as la liste des choses qui vont pas, je veux bien que tu me donnes. Ça marche, je pourrais te replier mes retours. Parce que la cible des utilisateurs, ça va être les malvoyants. Ouais, si, parce que... Il y a une règle en accessibilité, c'est si tu crois que c'est pas la cible, c'est qu'il y a sûrement des gens qui vont l'utiliser quand même et qui sont pas dans la cible. Ok. Et il y avait un détail dont vous parliez tout à l'heure, c'était les zones de clic, c'était bon, les localisations, c'était bon. L'aspect après révision, du coup, c'est en fait quand tu veux partager une observation, le bouton plus tard, le but, c'est que les gens partagent. Et donc, du coup, on a fait différents tests de différentes tailles de boutons, etc. Le but, c'est que les gens partagent leurs données et que les contribuent en ligne. Et pour que nous, d'ailleurs, on ait le choix, on ait la possibilité d'afficher leur image aux autres chercheurs qui vont utiliser ces données-là. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on met le bouton plus tard tout en petit en bas, pour que les gens poussent un peu à partager leur observation. C'est vraiment trouver un juste milieu entre ne pas se foutre de la gueule des gens et c'est aussi pour nous derrière en termes de projet de recherche. C'est du web, Hugo, l'application? C'est du React natif. C'est du React natif, c'est ça? Okay. Ça se voit tant que ça? Oui. Un petit peu. En fait, ça semble être un mix de matériel, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font penser à matériel, d'iconographie qui vient potentiellement de l'écosystème Apple, genre le bouton partagé, tu sais, le bouton partagé sur Android, c'est l'espèce de petit V là décalé là avec les petites boules. Là, c'est alors je suis pas expert iOS, mais ça ressemble plus à une icône que je pourrais trouver sur iOS que sur Android. Et certains composants matériels que tu utilises, du coup, ils sont utilisés un peu bizarrement, comme si tu pouvais un peu mettre ce que tu voulais, comme si un peu tu avais mis ce que tu voulais dans cet espace-là, alors que quand tu utilises les composants natifs, tu es assez restreint dans ce que tu mets dedans. Donc ça se voit un petit peu. Après, bon, c'est pas, ça choque pas non plus. C'est pas comme l'application juste avant, donc Be Done, c'est ça, qui du coup là où tu le voyais directement. Mais ouais, ça se voit un peu. Ok, ça marche. Après, c'est à l'air, enfin, en termes de réactivité, tout ça, en termes de perf, c'est très bien. C'est plutôt cool, quoi. Ouais. Sur les filtres, là, tu montrais la liste des espèces. les filtres en haut à droite. Du coup, pour vous, c'est pas des filtres. Qu'est-ce que ça serait? Ça serait des... En fait, genre, espèces illustrées uniquement, ça va afficher, ça va cacher les espèces qui ne sont pas illustrées dans ta flore. Donc là, bon, là, tu es déjà filtré. Là, ouais, t'es dans les... En fait, je pense que... En fait, je pense que je m'attendais à autre chose visuellement qui ne m'a pas fait tout de suite penser à des filtres. Parce que quand je suis arrivé là-dessus et que j'ai vu un switch et autre chose qui ne semblait pas ouvrir une modèle, parce que du coup, normalement, voilà, ça, il y a toutes. Donc, ça fait déjà, tu as un drop-down dans un drop-down. Là, c'est un peu bizarre. Enfin, tu as l'icône qui indique que c'est un drop-down. C'est un peu bizarre en termes d'UI. Mais du coup, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai d'abord pas du tout pensé à des filtres. Et j'avoue que j'ai pas été chercher plus loin parce que bah, du coup je testais l'application dans son entièreté et je la connaissais pas avant. Donc c'est quand Quentin a un peu cherché, un peu touché que du coup j'ai pu voir effectivement que ça s'apparentait à des filtres. Donc je pense en fait surtout, oui effectivement ce sont des filtres maintenant qu'on les a utilisés et qu'on a pu voir que ça a filtré finalement dans la liste. Par contre je pense que en termes, il y a peut-être un souci en termes d'UI, en termes d'expérience pour bien faire passer le message que c'est des filtres quoi. Ouais, je pense que je vais les changer, c'est prévu dans la prochaine version. Je vais faire un écran dédié avec le choix des filtres d'ailleurs et que ce soit plus clair. Et du coup, dépasser la recherche aussi au niveau des filtres. Ouais, la recherche est assez. Après, l'aspect. Par contre, le bouton gris, du coup, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, du coup, qui s'enlève en fait quand il n'est pas disponible. Peut-être que je pourrais le griser d'ailleurs, le bouton gris sur le famille et genre plutôt que le cacher en entier. Mais clairement, après, en termes de position. C'était déjà là quand je suis arrivé sur le projet il y a 2 ans et du coup j'ai pas rechallengé avec l'équipe savoir est-ce que c'est le bon endroit. Clairement c'est pas le bon endroit de mettre un bouton gris, je mettais plutôt en mode en haut à droite en mode choisir le type de jeu etc. avec les autres mais du coup c'est vrai qu'il vu qu'il est partout dans l'appli je pense que c'est un peu tricky Ce qui est bizarre c'est qu'il est possible que pour les espèces et pas pour les gens et familles aussi. Alors pour ça, moi quand j'ai testé ton application, l'application m'a fait penser un peu à YouTube en termes d'expérience. Je sais pas si c'était une source d'inspiration ou pas, parce que du coup, jamais. Bah, voilà, je sais pas moi ça m'a fait penser à, parce que genre le premier les flux ça me fait penser à la liste des flux, l'identification ça me fait penser au bouton de création d'une vidéo etc. Et donc du coup j'ai comme ça m'avait pensé à YouTube, j'ai commencé à regarder s'ils proposaient différents modes d'affichage. Donc là, toi, tu proposes la grille ou la ligne. Donc non, donc c'est dommage. Mais en fait, je me suis demandé est-ce que c'est vraiment utile, justement, de proposer différents modes d'affichage? Est-ce que je sais pas si toi, tu as des stats sur ce genre de choses, mais est-ce que finalement, c'est vraiment utile de... Est-ce que ce mode d'affichage-là, qui est du coup, semblerait-il, par défaut, est-ce qu'il n'est pas suffisant, simplement? C'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait que je fasse un A/B test dessus, savoir est-ce que les gens préfèrent l'un ou l'autre, parce qu'ils cliquent plus sur les espèces, etc. Et après, par contre, dans le profil, il va être réutilisé. Parce que dans le profil, pareil, tu vas passer en mode gris. Quand tu as beaucoup d'observations, il y a des gens qui vont avoir 200, 300, 600 observations dans leur profil. Du coup, il y a beaucoup d'options qui ont été ajoutées dans la dernière version pour filtrer ces observations, les regrouper par famille, par date, par jour. Et du coup, l'affichage en mode gris ça te permet de faire des actions groupées, un peu comme sur Google Photos. C'est de réduire la taille du zoom et du coup de faire un clic lissé. Alors on ne peut pas en entier pour l'instant, mais de voir d'un coup toutes les observations et facilement les partager derrière ou les retoucher si besoin. Ok. Mais oui, clairement, il faut d'améliorer. Mais ça ne me manque pas. Je trouve ça déjà pas mal. J'ai travaillé avant Decathlon, je travaillais aussi à INRIA, mais du coup à Lille. Et les applications en moyenne que je trouvais développées par les chercheurs ou par les ingés là-bas, c'était pas de ce niveau-là. Ouais, ça peut être pire. Donc, c'est déjà pas mal, franchement. Moi, je suis plutôt agréablement surpris. Ouais. Mais du coup, si on songe à passer l'appli en open source. Il y a des histoires de problèmes de pas de licence, mais de sécurité par rapport à nos accès. Donc vous avez vu qu'on peut utiliser l'application sans compte, donc ça veut dire qu'il y a un accès anonyme qui est fait à nos API, donc sans clé du tout, sans token, etc. Et qui fait qu'il y a d'autres applications qui utilisent nos services pour identifier des plantes sans qu'on leur donne le droit, en fait, tout court. L'API. Et du coup, on se pose la question si, en mettant l'API en open source, on n'aura pas encore plus de problèmes avec ces gens-là qui vont du coup accéder à toutes nos API facilement listées, avec spécifiées, etc. mais ça sera fait cette année. Mais après, je pense que ouais, le challenge de cette application, hein, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de données, d'espèces, de machins, et réussir à les organiser, ça va être bien compliqué. Là. Oui, et encore plus quand on va attaquer les maladies des plantes, et là, ça va être... Ah ouais. Okay. On approche de la fin, on va commencer à conclure. Est-ce que vous avez tous dit ce que vous voulez sur l'application? Est-ce qu'il y avait d'autres points que vous vouliez qu'on voit avant de conclure? Est-ce que Hugo, toi, il y avait des points spécifiques sur lesquels il y avait des zones de frustration, il y avait des choses sur lesquelles tu voulais du feedback? Non, l'onboarding qui est toujours compliqué parce que du coup, nous, ça nous fait plein des notes, mais ça nous a aussi apporté beaucoup de comptes utilisateurs en plus, donc de contributions derrière, mais on en a déjà parlé. En tout cas, je vous remercie de vos retours et je vais essayer de l'améliorer pour l'année prochaine, peut-être un prochain App Clinic dans 2 ans. Voilà. Super. Non, mais merci beaucoup à toi, Hugo, d'avoir proposé l'application. Si on veut t'envoyer du feedback, du coup, quelle est la meilleure façon de le faire? Il y a dans les contacts, soit sur le site web, soit sur mon Twitter, Hugo Grèce sur Twitter, ou sur le contact de PlantNet, c'est moi qui répondrai dans tous les canaux. Super. Juste avant de conclure, je vous affiche un petit peu à l'écran, là, je vous affiche un formulaire de feedback. Alors, c'est pas vraiment pour donner votre feedback sur les applications, c'est plus sur ce format d'App Clinic. S'il y a des choses que vous trouvez qui pourraient être améliorées sur le format, donc voilà, n'hésitez pas à nous faire de retour, nous dire ce que vous avez pensé. Et encore une fois, avant de conclure, également, je voudrais vous proposer d'envoyer, si vous voulez, des sujets au CFP. On fait alors, que ce soit Dev Café ou Frog, on fait des événements comme ça en live. Il y a les App Clinic, c'est l'événement que vous venez de voir. Mais il y a également d'autres événements. Il y a un format conférence. Gérard a donné une conférence comme ça en live. C'était au mois de décembre, il me semble. Voilà, n'hésitez pas à nous proposer vos sujets, ce sera vraiment avec grand plaisir qu'on les passera. Je pense que voilà, le temps du midi, c'est pas mal. N'hésitez pas à nous faire part aussi de votre feedback là-dessus, sur l'heure de diffusion. Moi, ce qui me reste à faire, c'est à remercier chaleureusement les candidats qui nous ont proposé leur application. C'est un exercice qui est pas facile, j'imagine, parce que ça va très vite, c'est toujours un peu frustrant, on n'a pas le temps de voir toute l'application. Et puis voilà, c'est pas évident de se mettre un petit peu en difficulté en proposant son application comme ça. Donc voilà, merci, un grand merci. J'espère que vous avez eu des retours qui vont vous être utiles. Et un grand merci également à nos reviewers du jour, à Quentin, Charlotte, Julien, Gérard, merci beaucoup à tous les 4. J'espère que vous avez apprécié l'exercice. Et j'espère qu'on pourra vous revoir également, encore une fois, sur ce format. Alors, est-ce qu'on a tout le monde affiché? Oui, on a tout le monde affiché. Donc, voilà, merci beaucoup à tous les 4. Et puis, bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Et à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Merci à vous. Salut.